Je suis venu rencontrer Monsieur le Président du Conseil constitutionnel à deux titres ce matin. Le tout premier titre, c'est pour rendre hommage à mon professeur, parce que Monsieur Francis Faudier m'a enseigné à la faculté de droit. C'est lui qui a accompagné mes premiers pas en droit international et qui m'a donné la passion du droit international. Donc je voulais formellement le saluer, parce que si je suis où je suis aujourd'hui, c'est en partie grâce à lui. Et ensuite, je suis venu visiter le président du Conseil constitutionnel. Dans cette capacité, il joue un rôle important dans le dispositif juridique et politique, entre guillemets, de la Côte d'Ivoire. Donc je venais lui notifier officiellement que j'ai pris fonction en tant que représentante spéciale du secrétaire général. Mais je suis flatté d'entendre madame la représentante spéciale énoncer cette situation, ce qui signifie que nous nous connaissons depuis un certain temps déjà. C'est donc en cette double qualité que je la reçois, en tant qu'ancien professeur et puis en tant que président du Conseil constitutionnel. Nous avons bien sûr échangé sur la situation de la Côte d'Ivoire, sur la mission de l'ONUCI, le rôle du Conseil constitutionnel et voir comment, appuyant cette mission importante,